Scarface, attention, gros chef-d'œuvre, film de Brian De Palma, qui raconte l'histoire de Tony Montana. En gros, Tony Montana, c'est un réfugié cubain qui se retrouve à Miami, dans des camps de réfugiés cubains. C'est d'ailleurs troublant de voir ça. À l'époque, on mettait les réfugiés cubains dans des camps sous les échangeurs d'autoroute, et il se passait des choses parfois terribles dans ces camps. Bon, il va finir par en sortir, mais il a pas envie de travailler trop, et il veut gagner beaucoup d'argent, donc il va devenir trafiquant de drogue. On va suivre toute cette vie de Tony Montana, du moment où il commence jusqu'au moment où il est le plus grand trafiquant de drogue de Miami. C'est ça aussi, le film se passe à Miami, et le Miami de l'époque est extrêmement intéressant. Voilà, c'est une autre époque, c'est quelque chose à voir absolument. Beaucoup de violence, beaucoup de moments difficiles, mais vraiment une réalisation de Brian De Palma qui justifie un petit peu tout ça, malgré le fait que Tony Montana soit devenu un exemple pour plein de gangsters. Hein. C'est vraiment le personnage le plus cité, je pense, dans le milieu de la délinquance, toujours. Je veux faire mon Tony Montana, c'est ce qu'on entend à tous les coups, mais ça reste un énorme classique avec Michelle Pfeiffer et surtout Al Pacino dans le rôle de Tony Montana. Pour ceux qui ne l'auraient, on ne sait jamais vu, Scarface, regardez-le, il y a un truc avec une tronçonneuse, il se passe des choses assez incroyables dans ce film qui doit être assez long, hein. Je pense qu'il doit faire 2h30, un truc comme ça, mais c'est un régal du début à la fin, la vie de Tony Montana.